السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم في هذا العالم. اليوم إن شاء الله مع درس جديد فيما يخص تعلم اللغة الفرنسية. اليوم غادي نتعرفوا على كيفية قول جملة نفية أو كتابة جملة نفية. صديق لا فراز نيجاتيف، كيفاش تقول جملة فيها لا؟ لا أريد الذهاب، لا أريد المشي، لا أريد الأكل. alors اليوم غادي نشوفوا، لأن هذا الدرس فيه مجموعة ديال لي ريغل كو فو دوفي لي ميتريزي، كاين مجموعة ديال القواعد اللي خصكم تضبطوهم. لهذا المرجو أنكم تتبعوا الدرس من الأول حتى الآخر. alors on commence, on va écrire le titre, c'est la phrase négative. alors la phrase négative. يعني الجملة النفية. شوفوا الجملة النفية. ألو الجملة النفية عادة في اللغة الفرنسية كنستعملوا بزاف ديال لي زادفيرب نيجاتيف. كنستعملوا نو با، كنستعملوا نو جامي، نو بيرسون، نو بلو، انسي دو سويت. اليوم غادي نركزوا على نو با، فيها ثلاثة ديال الاستعمالات على حساب الجملة. ألو ركزوا جيدا باش تفهموا كيفاش كنستعملوا نو با. Alors premièrement, on va prendre un exemple, une phrase. Je vais dire par exemple, il parle avec son frère. Ça veut dire yatakallamu ma'a akhih. Donc c'est une phrase affirmative. Elle dit ça au qui dire. Alors on va écrire la yatakallamu ma'a akhih. الو انتبهوا جيدا. اول شيء باش نرد ان فراز ديكلار افيرماتيف على ان فراز نيجاتيف جو دو فير اتونسيون او فيرب كيس كون رمارك ici لو فيرب ها هو كاين ان سول بارتي سي بون ان سول بارتي كاين ان سول بارتي اون لابيل طون سامبل الزمن البسيط. الو كيفاش غنديروا في هذه الحاله؟ هذه سهل بوغ لا ترانسفورمي ا ان فراز نيجاتيف. J'écris ne avant le verbe et pas après le verbe. C'est clair? Ne avant le verbe et pas après le verbe. A dire halaloula. Donc, j'écris il. Qu'est-ce qu'on a dit? On va écrire ne avant le verbe. J'écris parle. Et après, j'écris pas. Ça veut dire j'encadre le verbe parler ou bien parle par ne pas. Et je termine ma phrase. Avec son frère. Avec son frère. Et voilà, ma phrase est correcte. Donc je dis, il parle avec son frère. Il ne parle pas avec son frère. On va prendre un ton composé. On va prendre la même phrase. Il a parler avec son frère. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cette deuxième phrase? Que le verbe est composé de deux parties. Qu'il joue dans le verbe. Il y a l'auxiliaire. Ça, c'est l'auxiliaire avoir. Ça, c'est le participe passé. Avec le temps composé. Alors, Binsba, le temps composé, je dois faire attention. Parce que j'encadre pas tout le verbe. Je fais pas comme la première phrase, j'encadre tout le verbe. Ici, j'encadre seulement l'auxiliaire. J'encadre quoi? L'auxiliaire. Al-fi'l musa'id. Faqat al-fi'l musa'id. Où est l'auxiliaire? C'est A. Donc, je vais écrire il ne avant l'auxiliaire. J'écris A. Pas après l'auxiliaire. Et je termine ma phrase. Parler avec son frère. C'est clair? Il y a une autre chose. Ici, ne se termine par voyelle et l'auxiliaire commence par une voyelle. Donc, je supprime la première voyelle. Je mets apostrophe. Donc, je lis, il n'a pas parlé avec son frère.
La différence entre la deuxième phrase et entre la première phrase et la deuxième phrase, et dans la deuxième phrase, on a deux parties du verbe, c'est pour cela qu'on a encadré l'auxiliaire. C'est bon? Par exemple, je vais prendre un exemple. Il va parler avec son frère. Alors, il ne va pas parler avec son frère. Dis-moi l'auxiliaire ou que tu dois l'encadrer. C'est bon? Alors, j'espère que vous avez bien compris la première partie. On va passer maintenant à une autre chose. Et j'espère que vous laissez dans les commentaires des phrases en utilisant la forme négative dans les commentaires pour savoir est-ce que vous avez bien compris la leçon ou il reste un petit peu pour l'éclairer. Alors, la phrase négative dans la deuxième partie, on va voir maintenant le verbe à l'infinitif dans la phrase. C'est bon? On va changer le pronom personnel parce qu'on a déjà fait le pronom personnel « il ». On va prendre, par exemple, l'élève. Reste. Par exemple, on va écrire une phrase impérative. Restez. C'est pas une phrase impérative, c'est une phrase qui commence par un verbe à l'infini. Restez sage. Restez sage. Alors, c'est une phrase. Qu'est-ce que je remarque? Que le verbe n'est pas conjugué. Alors, le verbe n'est pas conjugué. Alors, dans le cas où la phrase affirmative commence ou bien contient un verbe qui est à l'infinitif, je dois faire attention et je dois écrire ne pas avant le verbe. Tout simplement. Ne pas rester sage. Et voilà, ma phrase est correcte. C'est clair? Alors, il faut faire attention. Toujours lorsque vous trouvez une phrase à l'infinitif et tu dois transformer cette phrase à la forme négative, ne pas précède le verbe à l'infinitif. Il encadre le verbe. Alors, ne pas rester sage. C'est clair? Par exemple, on donne un autre exemple pour bien comprendre. Il me dit, de sortir. Ou bien il me demande de sortir. Il me demande, يطلب مني الخروج. J'ai pas de place ici, c'est pas grave. Il me demande de sortir. يطلب مني الخروج. بغيت نقول يطلب مني عدم الخروج. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que le verbe sortir est à l'infinitif. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait dans la phrase précédente. Donc, je vais écrire. Il me demande, puisqu'ici le verbe est à l'infinitif, donc je vais écrire ne pas avant le verbe de ne pas sortir. C'est bon? De ne pas sortir. C'est bon? J'espère que vous avez bien compris la phrase et comment on peut la transformer en une phrase négative. كاين واحد المسألة أخيرة هي لا فراز امبيراتيف يعني لا فراز او مود امبيراتيف يعني avec laquelle j'exprime l'ordre ou bien je donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Alors في الجملة الأمرية هنايا
خصني ندير اتونسيون. Alors par exemple, je vais donner un ordre avec en utilisant le verbe pronominal. Un verbe pronominal. هنا كاين المشكل في le verbe pronominal. Alors le verbe pronominal, par exemple, je vais te dire couche toi tôt. Alors c'est une phrase à la forme ou bien au mode impératif, jumla amriya. واستعملنا هنايا لو فير برونومينال هو سو كوشي سي تان فير برونومينال كنحل لكم اخواني اخواتي اذا مازال ما فاهميش ما كتعرفوش شنو هو لي فير برونومينو راني دايرو في القناه الوغ كوش توا تو نام باكرا نام باكرا الوغ هنايا الا بغيت نقلب هاد لا فراز افيرماتيف على فراز نيجاتيف جو دوا فير اتونسيون ايكوتي تري بيان الوغ ici qu'est-ce que je fais je dois écrire ne À toi devient te. À toi devient te. Ou que tu as avant le verbe. Et j'écris le verbe. Et après j'écris pas. Et après j'ajoute l'adverbe to. Et voilà. C'est clair? Je répète. Couche-toi tôt. Ne s'écrit au début de la phrase. Après, toi devient te et je l'écris avant le verbe. Et j'écris le verbe après pas. C'est clair? Et je dis ne te couche pas tôt. Ne te couche pas tôt. Réveille-toi et saïkid ne te réveille pas. C'est bon? Brosse-toi tes dents. Ne te brosse pas tes dents. C'est bon? Se promener, par exemple, Yatajawel, promène-toi dans la forêt, ne te promène pas dans la forêt. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris. Alors, Hadouma, les différentes situations pour transformer une phrase affirmative en une phrase négative. J'espère que vous avez bien compris la leçon. N'tmenna kadalik minkum dam al-qanat. باشتراك فيها وكذلك تفعيل زر الجرس وما تنساوش إخواني وأخواتي أنكم تبارطاجيو الفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس أشكركم جزيل الشكر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته